Oh, c'est magnifique, les gars! Putain! Dites-vous que j'ai le Covid là! Wouh! Oh, c'est incroyable les chemins qu'il y a là, dans ce coin là! En tout cas, pour le moment, si ça reste des trucs comme ça, ça va être. Ouh, ça va être bien cool! Ça, je kiffe. Ça, je kiffe sa mère. Ça, c'est cool, les gars. C'est trop bizarre parce qu'en fait, ouais, alors comme il dit, j'adore les challenges qu'il y a sur ces chemins. Parce qu'en fait, tu sais jamais s'il y a un caillou ou du sable. En fait, selon ce que c'est, bah forcément, ta réaction, c'est pas du tout la même. Et en fait, ça te force à t'adapter de ouf. Mais c'est pas mal. Enfin, eux, ils ont des suspensions enduro. Ils roulent en tubeless et tout. Ils ont des pneus, les gars. Mais j'ai jamais vu ça. C'est des pneus sable, le truc. Wow! Yep. I took a big one. See? And the bike. Ah, celle-là, elle était belle. Bon, j'ai l'impression que ma roue est pas droite. Yeah, papa! Ouais, j'espère que la chute en vidéo a été belle. Pas une gratitude. C'est ça qui est cool. Tu te dis, des fois tu tombes et t'as vraiment zéro, rien. Bon, par contre, le guidon tordu, je voulais le changer, mais bon, pas cool quoi.
trop bien. J'ai toujours peur de me prendre des cactus. Soixante-six ans, hein, le type devant. Oh, oh. Allez, on passe derrière le poteau belge. Oh, wow, wow. Oh, moi aussi, je me suis fait surprendre. Bon, on va se mettre debout, hein. Ouah. Ils ont vraiment des cailloux roulants partout ici. Oh, il m'a failli... J'ai failli finir dans le trou. Ah, ça fait plaisir d'avoir un petit belge comme solo. Par contre, faut pas que je les perde de vue. Et Dieu sait qu'il bombarde, hein, quand même, hein. Pour dire que l'autre il a 66 ans. Ouais, ouais, frérot, mais en fait moi je comptais sur toi là. Un enduro aurait aidé. Mais t'inquiète, ça passe. Oh, tranquille.